Salut à tous, c'est Kizaye et on se retrouve pour le quatrième stage de Megaman, le quatrième stage à la tour du docteur Willy dans Megaman 2 justement. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, je suis heureux de vous retrouver pour la suite de Megaman 2. J'espère que ça vous plaît autant. Enfin, que ça continue à vous plaire. En tout cas, moi, j'aime bien. Même si je rage un bon coup des fois, parce que c'est tellement dur ce jeu. Mais ça me plaît, ça me plaît. Honnêtement, ça me plaît. C'est vraiment... Les Megaman sont vraiment des jeux super cool. Oui, je sais, je l'ai déjà dit dans l'épisode d'avant, ou encore celui d'avant. Mais j'aime bien, franchement. Les Megaman, c'est des excellents jeux. Mais il faut... Ils sont durs, voilà. Faut dire ce qui est, ils sont super durs. Mais c'est des superbes jeux. Honnêtement, c'est des super jeux. En plus, Megaman, je découvre que très récemment. Hein. Je veux dire, le premier que j'ai fait, c'était Megaman X. Je l'ai fait en vidéo. Donc, il y a déjà quelques mois de ça, mais je veux dire, ça, Megaman, je découvre vraiment que tout récemment. Bon, la vérité, c'est que j'ai commencé à connaître Megaman. Grâce à un mec sur Dailymotion, donc le premier qui m'a donné envie de faire des vidéos, parce que lui il a fait pratiquement tous les Megaman en let's play, et j'avoue que c'est vraiment grâce à lui que j'ai connu l'univers Megaman. Avant je connaissais pas du tout Megaman. Bon bah là je peux rien faire, je suis Keblo contre l'Epic, tu veux que je fasse quoi? Donc je disais, oui bah c'est grâce à lui que j'ai connu Megaman, quoi, parce qu'avant je ne connaissais pas. Je connaissais pas du tout Megaman. Enfin, je savais que c'était, voilà, un personnage bleu avec un flingue. Mais sans plus, je savais pas que c'était. Je savais pas. Pas plus, quoi. Je savais que c'était, voilà, le Megaman comme ça, quoi. Le Megaman avec son costume bleu que tout le monde connaît. Mais franchement, moi je connaissais vraiment pas plus de Megaman, c'est vraiment grâce à lui que j'ai connu Megaman. Et bon, bah après, vu que je me suis lancé au let's play, bah je me suis dit, bon bah pourquoi pas faire un Megaman, j'en ai jamais fait un. Donc j'ai commencé à faire Megaman X. Megaman X qui était... Oui, il était... Je trouve quand même que les Megaman X sont quand même déjà un peu plus simples que les normaux. Ils sont pas non plus super faciles. Hein, loin de là, c'est pas non plus des Megaman faciles, mais ils sont pas super compliqués. Ça va, franchement, ils sont déjà moins durs que les originaux comme ça, je trouve. Honnêtement, je trouve qu'ils sont beaucoup moins difficiles que les originaux. Bon, c'est pas grave, là, on trace. C'est chaud, là, parce que là, sur la ligne du haut, je touche le plafond là. Bon bah, on va utiliser, hop, notre fusée. Alors, j'ai découvert qu'on pouvait, voilà, c'est ces gros ennemis là, voilà, on peut bousiller leur machine en leur tirant avec l'arme de Herman dessus. N'empêche, l'arme de Hitman, c'est dommage que... Oui. D'accord. Bon bah, je savais pas qu'il y avait un ennemi là, mais tant mieux. Ah mais franchement ça aide. Si j'avais su pour ces ennemis là. Merde. Putain, c'est vrai que le scrolling dans les Megaman, il est chiant, parce qu'après ça fait repop les mobs. Mais putain, mais arrêtez, c'est quoi votre délire là? Ah oui, putain, ce boss, il est chaud. Oh. Alors là, je suis désolé, mais... Là, je vais faire une safe state, parce que ce boss est chaud. Et vu tout ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'à lui, j'ai vraiment pas envie de devoir tout recommencer. Putain! C'est pas là que je voulais tirer, c'était là. Parce qu'en fait, il faut l'arme de Crashman. C'est la seule arme qui puisse le battre, en fait.
Bon, là, hop. En fait, l'arme de Crashman est la seule arme qui puisse battre ce boss. Du coup, bah, si vous avez plus de pouvoir de Crashman, bah, c'est la merde. Bon, là, hop. Alors. Putain, merde, en fait, je vais faire comment, moi? Maintenant que j'ai plus d'arme de Crashman, je fais comment pour le battre? Dis-moi qu'il a une autre faiblesse. Voilà. En gros, vous avez compris. Si vous vous plantez, c'est foutu. Vous devez tout recommencer. Ah, je suis désolé, mais regardez le boss, quoi. Là, il demande obligatoirement d'être full avec l'arme de Crashman. Voilà. Je suis désolé, mais merde, un boss qui demande d'être full avec une arme. Faut pas déconner quand même. Putain, et maintenant je fais comment pour sortir, moi? D'accord, en fait, lui, en haut, c'est le dernier qu'il faut faire. Ça va être chaud, ça va être chiant. Alors, là, je suis désolé. Je sais, j'aime pas faire les safe states non plus. J'aime pas faire des safe states, je n'aime pas. Je suis le premier contre... Enfin, qui s'oppose à la tricherie, mais... Là, je suis désolé, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Regardez, il faut être full obligatoirement pour battre ce boss. C'est pas possible autrement. Vous devez être full pour battre ce boss. Voilà, j'ai planté. Ah, magnifique. Et en plus, avec un méga effet de... comment dire ça, ouais bah... Ah oui, mais c'est bien. Putain, le truc qui me touche une fois, je glisse à 10 km. Regardez comment je glisse, c'est hallucinant. Bon, voilà. J'ai oublié de me recharger. J'ai oublié de me recharger. Ah putain, en plus avec ce superbe effet épileptique de la mort qui tue. Ah là j'y peux rien hein, pour l'effet d'épilepsie. Ah là j'y peux absolument rien. Hein. Ah mais ça. Merde quoi, comment tu veux? Oh putain, merde! Merde, j'ai planté. J'ai foiré. Je crois que j'ai foiré. Non, c'est bon. C'est rattrapable. Mais là, comment tu veux là? Comment tu veux? Comment tu veux là? Ah voilà, comme ça, putain. Et le dernier coup. Oh putain de merde! Oh c'est violent! C'est violent ce truc! Oh. Bon, dernier stage normalement.
Ah oui, c'est vrai, il faut recombattre tous les 8 boss. Ah, j'avais oublié ça. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à tout de suite, hein. Allez, ciao.